Tournai a occupé une place importante dans l'histoire de la tapisserie. Au XVe siècle, l'âge d'or de la tapisserie tournaisienne, pas moins de 250 lissiers étaient à l'œuvre dans la cité. Tournai était le foyer le plus brillant de la tapisserie en Occident, fournisseur de toutes les cours européennes. Aujourd'hui, nos ateliers conjuguent à la fois le respect, la connaissance d'une technique traditionnelle et une ouverture à la modernité. 13 lissiers tissent dans nos ateliers. Pérenniser et transmettre ce savoir-faire est un combat passionnant. En effet, nos ateliers sont les derniers en Belgique à exercer ce métier d'art qui a fait notre réputation durant les siècles passés. Ces dernières années, les ateliers tournaisiens de tapisserie se sont résolument orientés vers l'art contemporain et ont séduit plusieurs artistes tels que Francesco Vezzoli, Mounir Fatmi, Mehdi Georges Lalou, Sanam Katibi, Wang Du, Tobias, Laurence Dervaux et Charlotte Baudry. Et voilà. Ouais. Les ateliers accueillent régulièrement des stagiaires leur permettant de découvrir les techniques de la tapisserie de haute lisse. Les travaux de restauration et de conservation pratiqués par nos spécialistes concernent non seulement la tapisserie murale, mais également les textiles anciens, tapis d'Orient, vêtements liturgiques, bannières, broderies. Les opérations de conservation sont effectuées dans le respect de l'authenticité de l'œuvre. Nos ateliers réalisent toutes les opérations de nettoyage sous contrôle de nos laboratoires. Les ateliers jouissent d'une réputation mondiale en matière de teinture de laine à usage artistique. Une gamme de plus de 300 couleurs différentes est disponible à la vente. À la demande, nous sommes capables de teindre toutes les nuances souhaitées par nos clients. Et nos laines sont systématiquement traitées en timide. La solidité des coloris à la lumière a fait l'objet d'un examen approfondi. Notre laboratoire de teinture peut également teindre d'autres matières, soie naturelle, lin, etc. Ce département est équipé de tous les appareils scientifiques nécessaires à la réalisation de ses missions de production et de contrôle. Ces différents produits sont d'ailleurs expédiés partout dans le monde. Ce laboratoire permet l'analyse de matières textiles avec un spectre allant de la fibre à l'article fini. Notre savoir-faire, détermination de la résistance à la traction des supports, détermination de la résistance des tissus selon l'usage, déchirure amorcée, abrasion, au glissement de la couture, boulochage, lavage. Détermination des solidités de la teinture au lavage, à la lumière, au frottement. Détermination de contrôle qualité tels que taux de torsion d'un fil, poids au mètre carré d'un tissu, titre du fil. Réalisation de teinture sur échantillon pour toute matière commune. Nos secteurs d'activité sont filature, tissage, bonneterie, négociant de produits finis textiles, contrôle qualité de la vente de textiles, savonnerie, performance des produits à usage textile, coloriste, blanchisserie professionnelle et enfin, tout citoyen pour un conseil et validation de qualité.